ville, tout le monde le sait, il adore la vitesse. Veut être un sauveteur et rien ne lui fait peur. Dis-moi qui vient tout juste de filer sous nos yeux. Ricky Zoom, Ricky Zoom. Voyez le s'élancer, toujours prêt pour l'aventure, toujours prêt à s'amuser avec ses meilleurs amis. Sa famille et ses amis, tout le monde peut compter sur lui. Ricky Zoom, Ricky Zoom. Le badge d'or du sauveteur. On est jeunes, on n'a pas peur, on fait rugir notre moteur. On est les meilleurs. Oh, très impressionnant, jeune champion. Oh. Désolé, Maxwell, je leur ai appris à faire le ménage et on dirait qu'ils ne veulent plus s'arrêter. Ce n'est pas un problème. Tu peux les laisser faire un brin de ménage, ça ne fera pas de mal. Bien, aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de gagner votre premier badge de sauveteur. Vroom, un badge de sauveteur, on va le gagner les yeux fermés. Parle pour toi, Ricky. On n'est pas tous nés dans une famille de secouristes. Il ne s'agit pas de n'importe quel badge. C'est le badge d'or du sauveteur des jeunes as de la route. Vous devrez être super fort, super rapide et super courageux. Youhou! Fastoche! C'est tout moi ça, j'assure. Je suis déjà super tout ce que tu viens de dire là. Et vous devrez travailler en équipe. Ah, ça aussi c'est tout moi. Je suis une équipe à moi tout seul. Enfin, avec vous bien sûr. C'est bon, je suis là. Tu vois, le sauvetage c'est facile. Ricky, Scutio, Loop et DJ, rendez-vous au camp d'entraînement pour les épreuves de sauvetage. C'est parti! Allez les scuba, c'est l'heure d'y aller. Et si tu me les laissais ici? Ça m'arrangerait qu'ils passent un bon coup de balai. D'accord, je les passe en mode automatique, je viendrai les chercher plus tard. Bienvenue les enfants, on se détend, d'accord? Nous allons voir comment vous travaillez ensemble pendant une opération de sauvetage. Oui, vous commencerez par quelques épreuves de base et terminerez par secourir une moto. Au secours! Tu le fais trop bien, Blip! Je fais pas semblant, cette branche est en train d'abîmer mes rayons. Waouh, c'est vrai qu'il est super doué. Si vous réussissez toutes les épreuves, vous gagnerez tous votre badge d'or. Allez, c'est parti les amis! Ne vous en faites pas, vous avez de toute façon le droit de repasser les épreuves. Pourquoi? On vient de le faire et on a réussi. On a réussi? Wow. Oh, ça me rassure, je pensais que je m'étais craché deux ou trois fois. Tu t'es craché, Ricky est le seul à avoir réussi. Écoute mon chéri, tu t'es bien débrouillé. Mais pour que tout le monde gagne un badge d'or, il fallait que tu travailles en équipe. Hank, on a un appel d'urgence. Désolé les enfants, on continuera plus tard. Tout manger. Hey, touche pas à ma clé. Oh non, mon plan de travail préféré. Ne
t'inquiète pas, Maxwell, on sera là dans quelques minutes. Non, pas touche à mon panier repas. Oh non, on dirait que les Scoobop sont devenus fous, ils ne m'écoutent plus. Ne vous en faites pas, les enfants, on s'en occupe. Oh, allons-y, on va arrêter les Scoobop. Oh, pourquoi on ne peut pas aller avec eux? Parce qu'on n'est pas des motosecouristes. Oui, mais on pourrait le devenir. Si on allait les aider, ils pourraient voir qu'on est une équipe de secouristes super efficace. Et ils nous donneraient tout de suite le badge d'or du sauveteur des as de la route. Tu veux dire que cette fois, tu vas nous laisser participer aux opérations? Quoi? Bien sûr. Maxwell, est-ce que ça va? Mon panier repas! Je veux pas qu'ils y touchent! Maxwell, on est venu t'aider. Qu'est-ce que tu fais tout là-haut? Ces Scoobop ont absolument tout mangé. Bon, je reconnais que mon atelier n'a jamais été aussi propre. Mais à quel prix? Je peux même plus descendre! T'inquiète pas, on va venir te chercher. On va apporter une rampe, mais ça va prendre un peu de temps. Où sont partis les Scoobop? Après avoir tout nettoyé, ils sont sortis de l'atelier. Ils doivent sûrement rechercher d'autres choses à dévorer. Hein? Oh, tu le fais trop bien vite! C'est pas semblant! Je devrais pouvoir les désactiver, mais pour ça, il faudrait qu'ils arrêtent de bouger. Je comprends pas, je n'aurais rien fait, moi! Ricky à la rescousse! Scoobop! Arrêtez-vous! J'ai dit, arrêtez-vous! Secouriste, hein? Oh non, ils se sont échappés. Vas-y, dis-lui. Tu sais, Ricky, t'es une super motosecouriste. Mais tu n'arriveras pas à accomplir certaines missions si tu continues à agir tout seul. Faut que je devienne une moto qui en vaut 4. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Tu as besoin d'une équipe. Tes parents sont bien une équipe, non? Oui. Et toi aussi, tu fais partie d'une équipe de motos. Et il se trouve que c'est nous. Oui, c'est vrai, vous avez raison. On forme une super équipe. Je suis sûre qu'on peut arrêter les Scoobop si on travaille ensemble. Attendez, ça veut dire que Blip ne joue pas la comédie? Tout à fait, monsieur le secouriste. Alors, comment on s'y prend? On verra. Pour l'instant, roule pour un, roule pour tout! Ouais! Beau travail, DJ! Super ton système, je suis sûre que ça va marcher. On va les attirer par ici. À mon signal, tu lâches la toile. À toi de jouer pour la phase 2. Ok, c'est parti. Et boum. T'inquiète pas, on va t'aider, Flip. Ces Scoobop veulent du bazar à manger. Alors on va leur en donner plein. Zoom cam, action. Beau travail, Scoutio. Allez, on passe à la phase 3. Appâter les Scoobop. Vas-y, t'as le droit de tout salir. Ah, enfin! Pour une fois que j'ai pas besoin de nettoyer. Wow,
fais quoi? Ils vont finir par manger la toile pour le dessert. Hein? Vous en faites pas, les amis. On a plus d'un tour dans notre sac pour réussir un sauvetage. C'est parti. Aileron. Viseur. Gadget. Allez, boum. Ricky. Oui, bravo, on peut vraiment compter sur toi. Je n'ai pas fait ça tout seul. On l'a fait tous ensemble, on est une équipe. Et maintenant, à moi de jouer. Si je désactive le mode automatique, je devrais à nouveau les contrôler. Hourra. Alors, on peut retourner passer les épreuves pour avoir notre badge? Je vais plus agir en solo. Oh, je suis désolée, Ricky, mais non. Parce que vous les avez déjà gagnés, chacun de vous. Tout à fait. Vous avez montré que vous saviez travailler en équipe. Pas besoin de recommencer. Je m'appelle Ricky Zoom. Attends, oh. Loop, on n'a pas de son là. Oh, oups, désolé Ricky, c'est ma faute. Ça tourne. Bonjour, c'est moi, Ricky Zoom. Mais vous me connaissez déjà, ça vous rappelle quelque chose si je fais ça? Et boum! Aujourd'hui, je suis la star d'un film qui parle de ma ville, Wilford. Hein? Oh, c'est un peu trop les effets spéciaux, DJ. Quoi? Mais on n'a jamais assez d'effets spéciaux. Ouais. Les enfants, vous avez jusqu'à ce soir pour finir votre film sur Wilford. L'équipe gagnante verra son film projeté sur le grand écran du cinéma de notre ville. Bonne chance et amusez-vous bien. Je m'y vois déjà en très grand sur l'écran. Allez les amis, on va faire le meilleur film. Ouais. Va encore plus vite. Je peux toujours aller plus vite. Et vroom. Salut Ricky. Vous êtes en train de faire un film, c'est ça? J'adore les films. Je peux vous aider, s'il te plaît? Si tu veux, tu pourrais t'occuper de... des lumières. Ça te va comme lumière? Je pensais plutôt à un genre de projecteur. D'accord, on devrait aller voir chez Maxwell. Maxwell. Vas-y, Scoutio, ça tourne. Et action. Pour comprendre comment Wilford est devenu aussi génial, nous allons interroger quelqu'un qui était là depuis très longtemps. Bon, alors, de quoi j'ai l'air? Vérifiez bien qu'on ne voit pas la brosse sur mon garde-boue. Voici Maxwell. Vous connaissez tous son garage. Racontez-nous comment Wilford est devenu cette ville qu'on adore. Oh. Voilà une scène qui a besoin de musique. Eh bien, il y a de cela très longtemps, mon père, Maxwell Senior, a ouvert un garage ici, à cet endroit. Encore qu'un village. Et oh, vous pourriez pas éteindre cette musique. Désolé. C'est donc votre garage qui a permis à Wilford de devenir la ville géniale qu'on connaît tous. C'est une super histoire, Maxwell. Oui, et je peux aussi vous la raconter en gros plan si vous voulez. Cool, tout. Je suis fait pour les gros plans. Oh. Ah. Ah. Ah.
quelque chose de drôle. Non, en fait, c'est ta sœur qui est trop rigolote. Scoutio, tu peux montrer ce qu'on a déjà tourné? Surtout la partie avec moi et Maxwell. Oui, ok. Attends, faut que je cherche. Non, c'est pas ça. Franchement, c'était le meilleur. Bon, et moi, est-ce que tu m'as filmé au moins? Oh! Oui, bien sûr. Il faut juste que je retrouve les images. Attends. Non, pas ça. Ah, voilà! Enfin, il y a quand même toutes, mais... Oh non! Tout ça, ce sont que des images de ma sœur. Désolée, Ricky. J'ai pas résisté, elle était trop drôle. C'est vrai! J'ai failli avoir une fuite d'huile à force de rire. J'essayais pas d'être drôle. Je voulais juste trouver une lampe pour pouvoir m'occuper de la lumière et faire le film avec vous. Et ça y est, je l'ai trouvé. Bon, on va aller interviewer l'agent Bunker. Et cette fois... Reste concentré sur notre film, d'accord? Oui. Monsieur l'agent Bunker, pourquoi Wilford est une ville géniale pour vous? Voyons voir. Pourquoi Wilford est génial? Tout d'abord, il y a peu de circulation. Et la plupart des gens respectent les limites de vitesse. Ça vous arrive de mettre des amendes? Oui, quand les gens font des bêtises. Vous pourriez nous montrer? Donnez-moi une amende. Ça ferait une super scène pour notre film. Désolé, je ne peux donner des amendes que si quelqu'un a enfreint la loi. Ça aussi, c'est la loi. S'il vous plaît, ça fera partie de notre film pour l'école. Si on gagne, il sera projeté au cinéma. Au cinéma, rien que ça. Dans ce cas, je vais faire une exception. Ouais, Ricky Zoom, je te donne une amende pour avoir... Pourquoi je te donne une amende? Parce que vous me trouvez fabuleux. On ne met pas des amendes pour ça. On fait semblant. Vous ne trouvez pas qu'il est fabuleux? Ah, d'accord. Je te mets une amende parce que tu es fabuleux. Ça va te coûter cher. J'adore votre machine. Je suis désolée, agent Bunker, mais je peux pas m'empêcher d'être fabuleux. Non, mais qu'est-ce que tu fabriques tout? Ça y est, elle refait son truc, là, quand elle devient trop rigolote. Hey, c'est le matériel officiel des agents, interdiction d'y toucher. Stop, arrêtez au nom de la loi. Bon, maintenant, ça suffit. Ce n'est pas un jouet, c'est réservé à la police. Et moi aussi, je suis dans la police et je vous donne une amende. Ça suffit, c'est du gaspillage. Alors ça, c'est génial. On devrait faire un film comique avec toutes. J'ai jamais rien vu d'aussi drôle. Et la tête de Ricky alors, elle est pas super drôle? Non, pas tant que ça en fait. Pourquoi tu fais cette tête? Ah, mais vous avez oublié pourquoi on fait ce film? De quoi ça parle? De toi? Oui. Enfin, non. Non, c'est un film sur Wilford. Eh, vous savez ce qui serait génial? Ce serait d'aller interviewer une célèbre équipe de motosecouristes. Je suis désolée, Ricky. Mais on n'a absolument pas le temps. On a reçu un appel d'urgence, il faut qu'on y aille. Loop, ton père est tombé dans une crevasse en distribuant le courrier. Ouais, ça lui arrive souvent, ça. On pourrait venir? S'il vous plaît, ça fera une super scène de sauvetage pour notre film. D'accord, à condition que vous ne geniez pas les opérations. On ne voudrait pas avoir à vous sortir de cette crevasse en plus de Don. Allez les amis, on fonce. Je parie que notre film va faire un carton. Papa! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la malédiction de la famille Oupla. On ne voit pas les crevasses avant d'être tombé dedans. Eh, vous allez où là? Don, on va te tirer avec des grappins. Oui,
Mickey, je préfère que tu attendes derrière avec tes amis. On se débrouille très bien tout seul avec ton père. Faut que je reste derrière avec les autres. C'est super nul pour une star de cinéma. Ah, ça va mieux. Oh, merci, Hank. Merci, Hélène. Ça a été encore plus rapide que la dernière fois. Oh, à tous les coups, ça doit être Blip. Tel père, tel fils, vous savez, il a dû encore finir en haut d'un arbre. J'espère que ça te servira pour ton film. À tout à l'heure, les enfants. Bon ben, c'est pas tout ça, mais j'ai du courrier à distribuer. Attention, papa, il y a une flaque d'huile. Papa, maman, ils sont déjà loin. Mais tu peux le faire, Ricky. Moi? Toi aussi, t'es une moto-secouriste. Bien sûr que j'en suis une. C'est à moi de tout faire pour l'aider. Ricky, à la rescousse. Rapizoom, action. Accroche-toi, je vais te sortir de là. Arrête, c'est pas moi qui vais filmer, c'est Ricky. T'as raison. Allez, ça tourne. Merci, tous. Et c'est reparti. Une fois encore, merci Ricky. Hé, Toot, ça te dirait de finir le film avec moi? Tu sais ce qu'il faut dire. Wilford est une ville géniale pour plein de raisons. Mais ce qui la rend vraiment unique, ce sont tous ses habitants, nos amis... Et bien sûr, notre famille. Attendez, c'est pas fini. Il y a encore plein d'effets spéciaux. Waouh, la kermesse de cette année est fantastique. Regardez, il y a plein de stands trop cool. Je veux tous les faire. Le chamboule tout, la tombola, les fléchettes. Oh, t'as vu ça? Il y a des ballons qui volent. Des ballons qui volent? Où ça? Où ça? Oh, des ballons. J'en veux un bleu et un orange et un violet et un jaune aussi. Désolé, c'est un seul ballon par personne et il doit y en avoir pour tout le monde. C'est la règle 8 du règlement. Vérifier que chacun peut s'amuser autant que les autres. Alors il faut que j'en choisisse qu'un. Ne m'attendez pas quand vous voudrez vous en aller. Je vais sûrement rester jusqu'à la fin. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Un code 12. Il y a un gros embouteillage en ville. C'est parce que tout le monde veut venir à la kermesse. Oui, mais ça me pose un petit problème. Je suis censé rester ici et aider Buster à distribuer les ballons et je dois aussi surveiller la fête. On pourrait très bien s'en charger. Agent adjoint au rapport, monsieur l'agent. Eh bien, promettez-vous de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour faire respecter le règlement de la fête? Oui, c'est promis, agent Baker. Très bien, dans ce cas, je vous fais officiellement agent de la fête. Didier, Loop, vous garderez un œil sur Buster et son stand de ballons. Les ballons. Oui, ben moi je garderai aussi un œil sur Loop. Bon, très bien. Scootio, Ricky, vous patrouillerez pour vérifier que tout se passe bien. Tout le monde doit respecter les règles. D'accord, je vais tout de suite télécharger le règlement sur ma tablette. N'oubliez pas, les règles permettent que la kermesse se déroule sans incident. Et comme ça, tout le monde profite de la fête. Le plus important, c'est que les enfants s'amusent, non? Ne vous inquiétez pas, agent Bunker. Vous pouvez compter sur nous. Entendu, mes jeunes agents. C'est vous les chefs maintenant. Enfin, jusqu'à mon retour. Ballon qui vole, venez prendre votre ballon qui vole, un seul par personne, il va falloir choisir. Oui, je sais que c'est dur. Agent Scootio, prêt à patrouiller? Agent Ricky, prêt à patrouiller. J'étais là avant vous, je vous signale. Oh, j'ai même dit preuve quand je suis arrivée. On se calme, ici l'agent Ricky. Rassurez-vous, il y a une règle par rapport à ça. Enfin, je crois.
Ah, pas vrai, Scoutio? Absolument. Règle 61. Tout le monde doit faire la queue devant les stands et les attractions. Vous avez entendu? Tout le monde a la queue lolo. On a de la chance que les adjoints aient eux-mêmes des adjoints. Action! Former une file indienne. Beau travail! Wow, je suis trop fort! Trois à la suite! Je peux en faire une quatrième. Hé, n'exagère pas, je n'en ai pas encore fait une seule, moi! Raquel, c'est à mon tour. On reste calme. Les agents de Bunker vont arranger ça. Le but, c'est que tout le monde s'amuse, non? Vas-y, Scoutio, on t'écoute. Alors, d'après le règlement de la kermesse, si on a envie de rejouer au Chamboultou, il faut refaire la queue. Ouais, mais tu pourrais très bien changer le règlement pour ton cousin préféré. Qu'est-ce que t'en dis? Eh bien, écoute, Dasher, j'aimerais beaucoup le changer, mais le règlement, c'est le règlement. Sinon, ça ne s'appellerait pas comme ça. Oh, t'es vraiment pas drôle. J'espère qu'on n'est pas non plus trop strict. Et moi, j'espère qu'il reste des bananes au chocolat au stand des friandises. Suis-moi. Un ballon par personne. Pas un de plus. J'aimerais bien en donner plus, mais c'est la règle. Il faut choisir sa couleur, comme Lou. Vert. Non, jaune. Ou violet. Ouais, j'aime bien violet. À mon avis, il n'arrivera jamais à se décider. Oh, wow. Des bons fruits et des bonbons. Bonjour, les enfants. Vous vous amusez bien? Toutes, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Trois sucettes à la fraise, une banane, oh, avec un bonbon citron et une poire. Oh, et deux verres de jus de cerise, s'il vous plaît. Moi aussi, un jus, s'il vous plaît, avec des bonbons en chocolat. Bah, c'est vite, Ricky. Je crois qu'on a un petit problème. Regarde cette règle. Une boisson et un bonbon par personne. Oh, c'est nul. Alors, comment je vais faire pour avoir deux jus de cerise et des sucettes à la fraise sans parler de la banane et de la poire? Vous êtes en train de gâcher toute la fête. Mais, c'est pas notre faute. C'est le règlement. Ouais, bah, il est pas drôle, votre règlement. Faites-le un peu. Attendez chacun votre tour. Ne mangez qu'un seul bonbon. Mais fais quoi encore? Un seul ballon par personne, peut-être? Bah oui. On n'a pas le droit d'en prendre deux. J'arrive pas à choisir, c'est trop dur. Écoute, on est venu pour s'amuser. Et avec vos règles stupides, c'est mission impossible. Ouais. Ouais. L'agent Bunker a été très clair. Le plus important, c'est que tout le monde profite de la fête et s'amuse. Et est-ce que ça veut dire que je peux prendre plus d'un ballon? Oui. Ce n'est que des ballons, après tout. Un de plus ou un de moins, ça ne changera rien. Oui, et surtout, ça ne fera de mal à personne. Écoutez-moi, en tant qu'assistant de l'agent Bunker, je déclare que l'on peut prendre plus d'un ballon si on en a envie. Ouais, on peut même en prendre beaucoup plus qu'un peu plus. On peut aussi avoir autant de bonbons qu'on veut. Et continuer à jouer au Chamboultou jusqu'à ce qu'on batte le record. C'est d'accord, c'est d'accord et c'est d'accord. En fait, la seule règle qu'on doit respecter, c'est tout faire pour s'amuser. Ouais. Merci, Ricky. Et c'est pas si dur d'être agent, finalement. Ouais. T'as vu, tout le monde est content. Oui. Top, les rats. Que ça de donner qu'une seule friandise par personne. Hé, lâche! Ouais, si on enlève toutes les règles, ça devient vite du grand n'importe quoi. Hé, les amis! C'est bon, j'ai pris toutes les couleurs! J'ai plus besoin d'en choisir!
Double booster! Ah ouais, j'oubliais, les boosters c'est justement pour s'envoler. Pas de panique, Loop! On va trouver un moyen de te faire descendre. Mais comment? Voilà comment. Il faut juste qu'on arrive à percer les ballons, les uns après les autres. Ça suffit les ballons, j'ai été gentil avec vous, alors je vois pas pourquoi vous êtes méchants avec moi. Accroche-toi, Loup. En avant les amis. Roule, roule pour tous. Regardez le ciel. Qu'est-ce que Loop fait là-haut? Alors, comment vous trouvez les violets? Ils sont sympas, les violets, hein? Comment une chose pareille a pu arriver? Ben, on a... Il semblerait qu'on lui ait donné un peu plus qu'un ballon. C'était pas un peu plus qu'un ballon. C'était beaucoup plus qu'un peu plus. Exactement ce que j'ai dit. Ne vous en faites pas. Agent Ricky à la rescousse. C'est parti. Aileron. En position. Attention, on vise les ballons et... Grappi zoom, action! Un peu plus et j'aurais été la première moto à me retrouver dans l'espace. Je suis désolée, les ballons. Je pensais pas qu'on serait obligé d'en arriver là. J'ai cru qu'en supprimant les règles, les enfants s'amuseraient plus. Je me suis complètement trompée. Voilà, c'est bien. Faites la queue. Un seul jus par personne. Ouais, un seul, pas plus. Sinon, il y en aura pas pour tout le monde. J'espère que vous avez tous compris que les règles existent pour une bonne raison. Par exemple, un gros tas de ballons peut très bien attirer les enfants. Mais sans la moindre règle, il finira par vous attirer. Oh, grand-père, on a dit un seul.